Bonjour Sidom, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo assez courte pour vous demander si vous avez envie d'avoir un tirage. Parce que là, il y a des choses à faire, mais si quelque chose vous plaît plus qu'au d'autres, si vous avez envie d'un tirage à choix, c'est-à-dire qu'on pose 4 jeux comme ça, avec celui-ci. 4 jeux, par exemple, je pars sur, on va dire, les Verseaux, et je dis, voilà, vous choisissez le jeu dans votre tête, vous essayez de poser une question dans votre tête, puisque je ne suis pas à côté de vous, et je vais tirer, pour chaque jeu, ce sera un tirage différent. Donc voilà, un tirage comme ça, est-ce que vous aimeriez, j'avais pensé à un tirage aussi par les premières lettres de votre prénom. Donc dans l'alphabet par exemple, on s'amuse à prendre amour, on va faire le A, le M, le O, l'U et le R. Et là, ça va commencer à devenir un peu plus précis. Est-ce que vous avez des idées, vous, pour qu'on creuse, qu'on soit encore plus précis, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, j'aimerais bien. Ce que je pourrais vous faire aussi par la suite, c'est par exemple mettre, je ne sais pas, un lion, taureau, des choses comme ça, et me faire aussi avec le pendule. C'est-à-dire que des réponses, par exemple, je pourrais demander, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Et là, si mon pendule répond, alors il vous dira oui ou il dira non. Je vais bientôt mettre en ligne aussi un nouveau jeu, qui lui, je suis en train de plus le peaufiner pour comprendre. Il y a des réponses à l'intérieur de oui et de non. Mais il y a quelque chose qui est une autre façon encore. Donc, demandez-moi, est-ce que vous avez préféré les taroscopes, c'est-à-dire tous les signes de zodiacaux? Si vous préférez un tirage intemporel, qui peut parler à tout le monde, mais c'est les personnes qui tombent dessus, en général, c'est pour elles. Voilà, essayez de voir, parce que je pense que vous avez dû aller sur beaucoup d'autres chaînes, il y a des choses qui vous ont plu. Moi, je fais comme je peux et comme j'ai pratiquement toujours fait hein, depuis de très nombreuses années. Mais il n'y a pas si longtemps que je me suis mise sur YouTube, voyez-vous. Donc, je ne sais pas ce qui va plaire à ma communauté, à vous, mes abonnés, hein, que j'ai vraiment envie de privilégier. Vous savez que vous pouvez me laisser des messages par mail. Je les vois tous, même en commentaire. Je vous fais toujours une petite réponse. Mais si vous aviez une idée, il y a possibilité de live aussi, avec questions pendant le live à laquelle je peux répondre. Donc, je suis médium aussi. Donc, je sais que dès que, voilà, je vois... alors, il faut toujours mettre... Alors, moi, je ne suis pas trop comme tous mes confrères, mais je trouve ça très, très bien. C'est-à-dire que quand vous mettez... Ah, excusez-moi, j'ai ma petite fille. Excusez-moi, c'était ma petite fille qui est rentrée dans mon bureau. Pom, elle avait dû laisser des bijoux. Elle me dit, je viens chercher mes bijoux. Bon, bref, vous avez vu, j'ai une petite fille. Alors, donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Elle m'a stoppé dans mon temps. Ah oui, les lives. C'est ça, les lives. C'est vrai que vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez pas vu, puisque je ne me présente pas, je ne suis pas quelqu'un qui est tout le temps en train de vouloir qu'on me voit, c'est pas le principal pour vous, le principal c'est surtout les cartes, mais je pense qu'une interactivité entre vous, mes abonnés et les non-abonnés d'ailleurs, ça pourrait être super sympa. Ça pourrait être super sympa dans le sens où on pourrait commencer à échanger, vous pourriez me poser des questions de tout ordre, hein. et puis je répondrai, on fera un live un peu papotage, vous voyez, et puis avec des questions bien sûr, alors oui, c'est ça que je disais, non, je reviens, ça y est, c'est bien revenu. Vous savez, on demande la date de naissance, votre prénom, et quelle est votre question. Moi je suis un petit peu différente dans le sens où j'aime avoir, par exemple, quand vous allez écrire, ok, vous mettez votre date de naissance, mais moi ce que j'aime, j'ai pas besoin de votre prénom spécifiquement, même si vous pouvez me donner la première lettre si vous avez envie. Moi, j'ai simplement un mot. Il faut mettre un mot. C'est-à-dire, vous savez, souvent, moi, par exemple, si je me balade, je vais penser à quelque chose, eh bien, ce mot-là, d'accord? Et au moment où vous écrirez sur le live votre date de naissance, vous marquez un mot. On s'en fiche du mot, hein? Vous mettez un mot et par rapport à ce mot, moi, je vais faire le tirage. Voilà. Moi, c'est plus, vous voyez, c'est plus de la médiumité comme ça. Maintenant, il y en a d'autres qui fonctionnent autrement et fonctionnent très bien, hein, parce que franchement, bon, moi, je vais vous dire, je ne vais pas voir un peu ce qui se passe sur les autres chaînes, et je n'ai pas trop le temps. Mais, et puis bon, en vrai, vous savez, quand on fait un truc, voilà, moi, je le fais depuis tellement longtemps que... Mais si vous avez envie
de voir de nouvelles choses et que vous avez des idées, je suis preneuse. Vraiment, je suis preneuse parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais bien qu'on fasse ensemble. Alors, voyez, je voulais que je vous présente mes jeux, vous voulez que je vous dise comment pour moi ça a commencé. Je ne sais pas si ça intéresse, mais si ça vous intéresse en tout cas, je peux faire ça. Je ne vais pas faire un live directo en vous disant oui, je vais vous parler de moi. Non. Hein, en même temps, bon. Mais ça peut être super sympa de discuter. Et puis, me donner à peu près les horaires que vous aimeriez. Il y a des gens qui préfèrent le soir. Bon, la journée, tout le monde travaille. Mais moi, vous me dites bah, tel jour. On se fixe un jour dans la semaine et vous me dites, ben moi, tous ces jours-là, j'aimerais bien passer, j'ai des moments de libre et j'aimerais bien qu'on les passe à ben, parler de ça. Voilà, et je suis prête à le faire si vous en avez envie. Hein, un live même toutes les semaines, hein, moi, c'est pas un problème, voyez? Que je fasse un tirage ou pour vous, ou que j'en fasse deux et que je les passe, que je les passe avec vous en live, c'est encore mieux. D'accord? Eh bien voilà, hein, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, mon travail vous plaît. Je pense, parce que vu le nombre que vous êtes à me laisser des gentils messages que j'adore, dites-vous bien que un médium, il est encore plus sensible que les autres. Et quand on a des retours, c'est toujours une grande joie. Une grande joie qui s'installe dans le cœur et qui après, waouh, on se dit, oh là là, on a plein d'amour. C'est pour ça que j'essaye de vous donner plein d'amour à travers ces vidéos. Essayez de vous aider, essayez de... Voilà. Je vous laisse cette fois-ci. J'espère que vous serez nombreux à écouter. Je vais essayer de mettre un titre à peu près pour que vous compreniez mieux. Et puis, à très bientôt. Allez, à plus tard.